Je suis Cazenet. Oui, c'est moi, ouais. Police nationale. Vous pouvez nous suivre au commissariat? Ça va prendre combien de temps? Ouais, il n'aura pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Vous pouvez nous parler un peu des clients que vous avez chargés? J'ai commencé par une course pour l'aéroport. De là-bas, j'ai chargé une cliente qui allait à Grasse. Ça vous plaît, d'être taxi? Ouais, j'aime bien. Ça me laisse le temps de réfléchir à d'autres projets, d'autres choses que je pourrais faire plus tard. J'ai fini dans le centre. J'ai téléphoné à ma copine, je lui ai dit que finalement, je passerai pas la voir. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel? Taxi! Non, non. Vous pouvez me dire qui c'est? Non, je sais pas. Susceptible d'être l'auteur d'un enlèvement d'enfant. J'ai rien fait, c'est quoi cette histoire-là? Je vous notifie donc votre mise en examen, monsieur Cazalet, pour enlèvement et séquestration. On a retrouvé votre ADN sur le châssis de la fenêtre par laquelle la fillette a été enlevée. Il n'y a pas d'erreur possible. Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a dit? Qu'il était crevé et qu'il m'expliquerait plus tard. Et l'a-t-il fait? Non. Il a parlé à quelqu'un qui ressemblait à un enfant. Mais ça non plus, vous n'avez pas cru bon de nous le dire hier. Si j'avais su, bien sûr, j'aurais tout raconté toute la journée. Vous avez enlevé cette petite fille? Non. Si. Non. On a les preuves. Arrêtez maintenant avec vos zigzags. On a assez d'entendre des conneries à propos d'étudiantes qui n'existent pas. Dites-moi ce que vous pensez maintenant. Dites-le. Madame Lablache, on a retrouvé votre fille.